Nous avons choisi cette structure déjà par rapport à la facilité d'installation, mais aussi par rapport à un besoin qui était ressenti autour déjà des terrains existants, de par le besoin associatif, mais aussi des écoles. Là, on va bénéficier quand même de deux terrains supplémentaires qui permettent aussi de pratiquer différentes activités, pas forcément que du tennis. Aujourd'hui, les associations utilisent beaucoup de dérivés comme le fit tennis ou autre. Donc l'objectif, il était de répondre à ces attentes de potentiels vélisiens. Une satisfaction par rapport à l'accompagnement du projet avec le développement du fitness park à côté, qui nous permet aujourd'hui de satisfaire aussi bien au niveau des babillards, près de Louvois, avec déjà une installation qui est existante, et une supplémentaire à l'autre bout de Vélizy pour que les Vélisiens n'aient pas forcément à aller dans le quartier Louvois. Cette structure a été principalement orientée vers du gonflable, parce que déjà ça fait 3 ans qu'on remettait en cause le projet pour des problèmes techniques, et ces problèmes techniques, on pouvait les résoudre uniquement aussi en mettant des bulles. Donc c'est ce qui nous a permis aussi d'aller jusqu'au bout du projet et ne pas s'arrêter non plus à juste abandonner un projet de couverture de cours de tennis. D'accord.